Hey yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Welcome to Hanwell. Et qu'est-ce que Hanwell ? Hanwell, les crocs, c'est une putain de prison. Et regardez là, regardez ce truc qui rampe. Regardez ce truc qui rampe au fond là. Voilà quoi nous allons avoir à faire dans ce putain de jeu. Non, plus sérieusement, Welcome to Hanwell est actuellement en alpha. Ils ont mis à disposition une petite démo de leur futur jeu. La démo est sortie la semaine dernière et il n'y a eu que des avis positifs. Donc écoutez, je me suis dit, il faut que je me fasse mon propre avis et que je vous partage ça avec vous, les crocs. Donc écoutez, préparez-vous à faire face à un horror game terrifiant. Alors. Du coup, est-ce qu'on est dans la prison ? Bah oui. Il y a des cellules, du coup, on est forcément en prison. Et j'entends un bruit déjà. Comme si quelqu'un traînait une hache sanguinaire sur le sol. Il y a des bruits de pas. Il y a des cellules qui s'ouvrent. Je sais pas si vous l'entendrez bien, mais je l'entends très bien, moi. Ok, donc nous sommes dans... Eh bien, écoutez, dans notre magnifique cellule. On sait pas ce qu'on fait là. Et donc, oui, le jeu est en anglais. Enfin, la démo alpha est en anglais. Donc, ça va être très compliqué de traduire s'il y a des notes. Ah, il y a encore une putain de cellule qui s'est ouverte. Et moi, bande d'enfoirés. Je regarde s'il n'y a pas un petit copain à moi. Ah bah ça y est, elle s'ouvre. Super, merci. Je sais pas qui a ouvert cette porte, mais merci à toi. Bon, bah écoutez. Allons-y. Escape. Ah, c'était ça qui faisait ce bruit du coup. D'accord, c'était ça. Ok. Oh putain. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. On va la laisser tranquille. Je pense que c'est la seule captive dans ce couloir. J'ai pas vu d'autres trucs chelous. Je pense que c'est la seule. On va la laisser, les crocs. On va pas commencer à aller lui parler, hein. On sait comment ça finit, ce genre de conneries. Nous avons une petite note. Alors, par contre, l'écriture est pas illisible, mais j'ai du mal. Joe, the phone broke, I need... Alors, Joe, le téléphone est cassé. Bon, je mettrai une traduction, parce que j'ai juste compris que le téléphone était cassé. Tout le reste, j'ai rien pigé, donc il y aura une traduction. Ok. Donc le téléphone est cassé, c'est ça ? Il m'a l'air vachement cassé, ouais. Il y a des bruits de mort-vivant là-dedans. Bon, allons-y. Oh putain, des chiottes. Des putains de chiottes ! Y'a que dalle. Ouh ! Dans ce genre de jeu, vous savez très bien que les toilettes, c'est très 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 dangereux. Hein. Oh la vache, regardez-moi cette ambiance là, putain. Y'a une ambiance, les crocs, dans ce jeu. Oh ! On dirait que quelqu'un s'est fait traîner dans les douches. Mon dieu. Trois portes. Et y'a des bruits derrière moi. Comme si quelqu'un toquait à une porte, bordel de merde. On a donc trois portes. On va essayer la... Fermée. Le contrôle A est fermé. On dirait que c'est ouvert ici. Ok. Alors, juste avant de continuer par là, je vais juste regarder la troisième porte. Ah ! Espèce de petit enculé. Alors lui, y'a quoi ici ? Attendez. Y'a peut-être un truc intéressant là. Il cache peut-être quelque chose d'intéressant, ce petit coquin. Non ? Y'a que dalle. D'accord. Donc cette pièce servait juste de screamer. Parfait. Mais c'est un screamer sans son. C'est là que les mecs sont originaux, tu vois. C'était un screamer, mais sans son. Alors... Wow, regardez-moi ça, tous ces tableaux, c'est magnifique. Cette prison est très bien décorée. Bordel, j'ai jamais vu une prison aussi décorée de toute ma vie. On a une clé ici. Alors, on a donc chopé une petite clé. Wow.
Alors ça devait être les petits fonctionnaires de la prison. Ok. Oh là là. Il y a définitivement quelqu'un avec moi dans cette prison. Hormis la fille qu'on a vue au début de la vidéo dans sa cellule. Ah putain, pas mal, regardez. Les développeurs ont mis sur les écrans dans le jeu, bah, le développement du jeu tout simplement. C'est pas mal. Putain. Ah non, c'est vraiment sympa, franchement. Alors ici on a un code de 296, ça va peut-être nous servir pour une porte bloquée ou quoi. Bah écoutez les crozes, on a la clé. On va juste aller à la seule porte qui est verrouillée du jeu, c'est-à-dire celle-ci. Nice. Alors c'est quoi, c'est un bureau de caméra? Ok. J'ai toujours rêvé de faire ça, de regarder les caméras comme ça. Alors, est-ce qu'on voit la fille de la cellule? Regardez, les cellules sont là. Locking. Lockdown. Il faut que j'appuie là-dessus. Non! Non, non, surtout pas! Surtout pas! Surtout pas! Je crois qu'on a fait une connerie. Je crois qu'on a fait une énorme connerie. Bon, bah là, je crois que j'ai commencé à flipper, du coup. C'est cool. Pourquoi j'ai appuyé sur ce putain d'écran? Pourquoi j'ai fait ça, les crozes? Du coup, il faut qu'on retourne en bas. Oh, putain, on doit aller vers elle, c'est ça? Putain d'enfoiré. Ah, les douches sont ouvertes. Attendez, on va peut-être voir le corps qui a traîné tout à l'heure, non? Non, il est pas là. En tout cas, les douches sont immenses. Bref! Bah écoutez, allons voir notre cher ami The Grudge. Attendez, hein, parce que là... Oh putain, on y est. Attendez, parce que là... Là, honnêtement, je suis pas bien, là. Là, je suis pas très bien. Alors ici, c'était notre cellule. Oh, il fait trop noir, je vois que dalle. Ah putain, je vois que dalle. On fonce. Elle est derrière moi? Non, y'a personne derrière moi. Une lampe torche, parfait, la petite lampe torche. La petite lampe torche qui fait plaisir. Ah oui. Yes. Continuons. Oh putain, elle est là cette conne. Réveille-toi pas. Te réveille pas. Non. 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 Y'a un trou. Je fonce dans le trou. Vite. Oh putain. On se retrouve dans une grotte. Le mec, il en peut plus là. Il est au bout de sa vie. Il est complètement au bout de sa vie. Oh putain, il y a un truc derrière moi. Quelqu'un qui vient de me siffler à l'oreille là. J'aime pas trop ça. Dégage, saloperie. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, vite. Non, 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 je regarde pas derrière, c'est mort. Ah, ah. Bien écoutez les crocs, je crois qu'on vient de finir la démo de Welcome to Unwell, créé par Nathan Seedhouse. Et bah écoute, Nathan Seedhouse, putain mec, c'est du bon boulot. Applaudissements. On applaudit bien Nathan. Bah écoutez, Croche, j'espère que ce jeu et cette vidéo vous aura plu. Je laisse dans la description le lien pour que vous puissiez télécharger cette démo qui est totalement gratuite. Donc le jeu est censé sortir cette année, et c'est très bien. Il pourrait arriver au niveau de Araya, je pense. Il a le potentiel, en tout cas il a un putain de gros potentiel. Sur ce, les crocs, je vous laisse là, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude. Merci aux tipeurs pour votre générosité. A très bientôt les crocs pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao.